O ni e wa ji alaye ti ke ri je e ko je o. Oni aji alaye ti ke ri je e ko je o. Sois la bienvenue. Merci, bonjour. Ouais, moi, c'est Noé et je suis guide touristique sur la colline au Puy d'Awaya. Et le nom du village avant, c'est Awedje. Awedje, pour saluer le roi, tu dois te mettre en genou. Awedje Nda. Et comme les Français sont arrivés, ils ont écrit Awaya. Donc, c'est ça la colline. Il y a l'eau là-bas. Avant, c'est là-bas que tout le monde va aller puiser de l'eau pour boire, faire les cives. Fait tout avant d'aller à l'école, tu vas aller là-bas chercher l'eau avec des calabasses et 17h tu iras chercher encore de l'eau là-bas. Qu'on vient chercher avant, arriver à chercher, on passe par ici pour descendre à l'autre côté. Ils viennent chercher de l'eau. Oui, ils viennent chercher de l'eau ici. Donc toutes les périodes, il y a l'eau dedans, ça ne finit pas jamais. Et quand il pleut, c'est le même niveau ou bien ça monte? Oui, s'il pleut, c'est le même niveau, ça dévie par là. Et ça sort? Oui, ça sort par là. Donc c'est le même niveau ici. C'est la pluie suspendue, gros pluie suspendue. Avant le temps de guerre, c'est ce que les paysans ils ont arrivé à se cacher, c'est l'eau là qu'on utilise avant. Mais maintenant, comme la guerre est finie, ils ont descendu. Bon, maintenant, on utilise pour les lessives, pour se baigner dedans, se forme piscine. Donc, c'est la colline au puits d'Awaya. Donc, c'est l'eau là qui sert le village d'Awaya avant. Tonton, tonton, tonton,